après tant d'arrêts à cause de cette pandémie. Vous savez que effectivement, pour regrouper les garçons, on a eu tous les problèmes du monde. En tout cas, j'ai dit, profite du One Micro pour dire bravo à ces jeunes qui ont accepté, parfois ont bravé, en tout cas sinon forcé leur départ même au sein de leur club. Alors c'est l'occasion de saluer ici leur patriotisme. Ça, on n'en dira pas assez. C'est des problèmes de vestiaire. On n'a pas le droit de publier certaines choses. Mais ce sont des enfants qui se sont battus. Donc, il fallait donc ce match-là pour réveiller certains circuits. Alors, vous avez vu ce soir, effectivement, une équipe burkinabée assez concentrée et assez appliquée, surtout. Et j'allais dire même peut-être un peu trop discipliné, c'est ce qui a amené valu que quelquefois on a joué un peu le frein en main. Ça, c'est ce que j'ai eu comme sensation à certains moments du match. C'est même normal. Alors j'ai dit que ça nous a fait vraiment ce match va nous permettre vraiment de faire le plein de confiance, parce que ces matchs aussi sont faits pour ça. N'oubliez pas que dans quelques jours, nous devons nous retrouver, en tout cas, pour la double confrontation contre le Malawi. Alors, vous avez testé déjà beaucoup de joueurs, Seydou Simpouré, ce nouveau joueur, Mohamed Konaté. On va dire, c'est une très bonne pioche, ce garçon. Bon, je ne vous voulais pas dire, parce que toi et moi, nous découvrons en même temps le joueur. Ça, je vous le dis, c'est parfois on n'a pas besoin de dire certaines choses. Ça, ce sont des trucs qui restent au vestiaire. Alors, c'est un garçon qui vient du championnat russe, dont mon capitaine Charles Caboret m'a dit du bien de lui. Alors, j'ai dit, mais pourquoi pas, je vais prendre le risque de le convoquer, de le voir. Parce que vous savez que le Burkinabé d'habitude, on n'est pas très grand de taille. Avec la retraite de Bansé, il y a un manque à gagner, en tout cas sur le plan de la taille, au niveau de la pointe de l'attaque. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer, si c'est une bonne pioche, pourquoi pas. Même si Bansé, j'ai dit, Aristide n'est pas un garçon qu'on peut remplacer. Voilà, c'est un joueur complet. Donc, ce garçon peut-être pourrait marcher, en tout cas sur les traces de Aristide Bansé.